D'après ce qu'on voit là, avec des cycles importants, nous sommes dimanche. Pour moi, il ne doit pas jouer mercredi. Si on le fait jouer mercredi, c'est qu'on aura pris des risques. Angel Gomez, qui a eu une véritable commotion cérébrale, avec des images qu'il y avait initialement et qui ont été retirées. Mais en tout cas, on voit véritablement une commotion suivie de mouvements cloniques, une commotion qui a été sous une forme grave, en tout cas, sous une forme impressionnante, puisqu'elle était associée à des convulsions. On voit effectivement l'image où on l'évacue par brancard, hein, donc en civière. Donc, on voit vraiment que c'était assez inquiétant parce que l'évacuation a eu lieu en civière. Tout ça, c'était un choc assez violent de la tête avec Amadou Koné, qui a eu un carton rouge. Et puis, l'arbitre a immédiatement demandé les secours. On voit d'ailleurs Koné qui rentre avec, après son carton rouge, et qui est en train de prier, hein, véritablement en train de prier après ces images. Donc Gomez qui prend un rouge évidemment, mais surtout on le sent bien évidemment extrêmement atteint par son collègue, même si c'était un adversaire, qui s'est effondré. Ce qu'on nous dit aussi, ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'il a passé des examens dans la nuit qui se sont avérés normaux. L'examen neurologique scanner, alors c'est marqué cervical, mais je pense que c'est le scanner cérébral. Angel Gomez, victime d'un violent choc à la tête samedi sur la pelouse de Reims, sont normaux. Voilà, on voit là l'image lorsqu'il est au sol, l'image assez impressionnante, effectivement, lorsqu'il est au sol, certainement en perte de connaissance. D'où vient cette commotion? Et que c'est un traumatisme crânien, évidemment. C'est un traumatisme crânien, le passage d'une onde de choc à travers le crâne, qui entraîne une dysfonction, une extinction, on devrait dire, mais une dysfonction cérébrale, avec des perturbations électrochimiques, qui font que le cerveau, évidemment, eh bien, ne fonctionne plus bien. Et là, un ensemble de signes peuvent apparaître, plus ou moins inquiétants. Il y a une myriade, un ensemble de signes qui sont possibles. Donc, il n'y a pas une commotion cérébrale, mais il y a des commotions cérébrales de gravité et d'expression variable en fonction des parties du cerveau qui réagissent. Évidemment, pour les plus légères, ça peut être de simples maux de tête, des confusions, des vertiges, des troubles de la mémoire, de la fatigue, des troubles du sommeil, une irritabilité, une sensibilité à la lumière et au bruit. Tout ça, ce sont des signes qu'on peut voir chez quelqu'un qui souffre d'une commotion cérébrale. Mais quelquefois, il y a des signes de gravité, ou en tout cas disant que vraiment le cerveau, sur le coup, souffre beaucoup. C'est la perte de connaissance, malheureusement, surtout si elle est prolongée. Le fait ensuite d'avoir des confusions, c'est d'être désorienté, de ne plus savoir exactement où on est. Le fait d'avoir des vomissements, surtout s'ils sont répétés. D'avoir des maux de tête qui sont très forts. La convulsion, c'est ce que probablement a eu effectivement Gomez. Ce sont des convulsions, et ça, c'est un signe qui nécessite une exploration. Donc là, le scanner cérébral a été fait. Et puis, évidemment, s'il y a des faiblesses dans les membres ou des engourdissements également. Donc tous ces signes-là, des signes qui montrent qu'il y a une souffrance très importante, eh bien, doivent faire prendre en charge de manière très sérieuse le joueur, ou en tout cas le sportif, qui souffre de cette commotion cérébrale. Et ça nécessite une prise en charge particulière. Évidemment, le médecin va évaluer les signes neurologiques. C'est ce qu'on a vu. Ils ont dit bah les examens neurologiques étaient normaux, ou en tout cas étaient rassurants. Mais ça, c'est vraiment important. C'est un examen neurologique répété qui devra être fait. Et puis, c'est un scanner cérébral qui sera fait en urgence, bien évidemment. Mais quelquefois, selon les cas, sans rentrer dans le détail, c'est bien de le faire 5-6 heures plus tard, parce que c'est mieux de voir pour voir des petits saignements. Ça peut être intéressant de faire l'examen 5-6 heures plus tard. Et puis, quand c'est nécessaire, évidemment, on stabilisera les fonctions vitales, parce que si la personne, effectivement, est avec une perte de connaissance profonde, etc., bah, il faut évidemment stabiliser tout ça. Et puis, quelquefois, si jamais le scanner cérébral, pourquoi on le fait? C'est pour rechercher une hémorragie cérébrale, c'est pour rechercher un œdème cérébral, c'est pour rechercher une fracture. Et quelquefois, eh ben, on devra opérer pour justement évacuer, par exemple, une hémorragie massive ou une fracture qui serait déplacée et qu'il faudrait donc traiter. En ce qui concerne Gomez, c'est assez rassurant parce qu'on nous dit qu'à la fois le scanner est normal et puis l'examen neurologique est normal. Donc, a priori, il a fait une commotion cérébrale avec des signes initiaux assez forts, avec un retour rapide à la normale. Il faut donc qu'il puisse récupérer de cette commotion. Ça veut dire d'emblée que, d'après ce qu'on voit là,
avec des cycles importants. Nous sommes dimanche. Pour moi, il ne doit pas jouer mercredi. Si on le fait jouer mercredi, c'est qu'on aura pris des risques, puisque c'est sûr, il a fait une commotion cérébrale. Donc même si le scanner est normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut seulement dire que le scanner est normal, mais par contre, la dysfonction du cerveau n'a pas encore récupéré. Et donc, il faut vraiment permettre à ce cerveau de cicatriser correctement, de récupérer correctement. D'abord, parce qu'il sera meilleur sur le terrain avec un cerveau qui fonctionne complètement. Et deuxièmement, parce qu'il évitera des risques de récidive et de ce qu'on appelle un second impact, qui là sont des risques où on peut voir le cerveau augmenter brutalement de volume, avoir un œdème. Et là, ce sont des risques mortels qui sont quand même plus élevés.